Hello les chats, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Planet Coaster. Vous avez beaucoup aimé mon premier épisode sur mon parc d'attractions et aujourd'hui, il fait déjà faillite et il va falloir réussir à le sauver. Si vous avez d'ailleurs des petits tips, des aides pour pouvoir le sauver, n'hésitez pas. Moi, je vais faire tout mon possible pour y arriver. Je vais fermer des attractions, je vais essayer de vraiment écouter le client et faire en sorte qu'il s'en sorte bien parce que je pense que j'ai un peu trop dépensé d'argent. Et là, tout est en train de s'effondrer. Et voilà notre petit parc. En plus de nuit, il est vraiment magnifique. Donc vous avez pu voir qu'il y a eu pas mal de changements. Nous, ce qu'on avait installé ensemble, c'était les toutes premières choses. Alors attendez, j'arrive même plus à retrouver le sens de mon parc. On va s'éloigner un peu. Voilà, là on est dans le sens inverse. Donc, quand je suis arrivée, il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait rien du tout. Donc j'ai installé ça, celui-là à côté, le troisième là. J'ai commencé à aménager à l'arrière, etc. Et là, ça a commencé à partir en chachaminou. À partir du moment où j'ai mis le roller coaster, qui leur fait beaucoup trop peur, donc j'ai été obligée de le fermer, puisque les gens ne veulent pas monter dedans, apparemment il est trop haut, et pourtant je peux vous assurer que j'ai passé une heure à construire ce roller coaster, et c'est vraiment pas mon... vraiment pas mon dada. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai fermé donc plusieurs attractions. Là, on est à 300$. Pendant très longtemps, on a été à moins de 1000. Donc là, c'est une chance inouïe. Maintenant ce que je fais c'est que je vais dans le gestionnaire du parc et je vais essayer de gérer et de voir ce qui peut être modifié. Alors, je m'étonne de ne pas trouver de boutique de souvenirs. Alors je sais pas du tout comment on installe des boutiques de souvenirs, je ne suis même pas sûre d'en avoir. On va regarder ensemble. Donc boutique et services. Déjà on n'a pas l'argent pour parce que... Alors Zozo le clown c'est quoi lui? Oula. Zozo le clown fait quand même un petit peu peur. Distributeur de billets Caraïbes. Ah c'est ça les souvenirs, les billets Caraïbes. Distributeur de pirates, d'accord. Donc là, c'est des choses que je viens de débloquer. Mais je suis tellement ric-rac niveau argent que pour l'instant, je peux pas les utiliser, quoi. Et non, souvenir, on n'a rien. On a vraiment de la nourriture, des boissons. Distributeur de billets. Je pense qu'on va se mettre un petit distributeur de billets quand on en aura les moyens. Mais là, on n'a même pas les moyens de se mettre un distributeur de billets. Il faut vraiment qu'on arrive à économiser de l'argent. Alors, la file d'attente est trop longue. Elle était pleine. Bah oui, mais en même temps, là, j'ai rétréci un peu le parc. Donc tant pis, il va falloir être un peu patient. Celle qui marche vraiment bien, bah, je vais augmenter encore un peu les prix parce qu'on voit que les bénéfices depuis l'ouverture sont vraiment impressionnants. Donc on va oublier le billet à 20. Comme ça, il y aura moins de monde qui ira et il y aura peut-être moins de monde dans la file d'attente puisque c'est plus cher et puis on gagnera un peu d'argent. Il a été reconnu, image de marque, donc il est bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? On pourrait peut-être ajouter... Créer une chaîne de montagnes russes. Intervalle minimum entre les départs, 3 secondes. Activer les passages prioritaires. On va activer ça aussi. Comme ça, on va faire une entrée avec des passes. Je sais pas si on va pouvoir la placer. Entrée avec les passes prioritaires. Ça va être galère parce que tout a été millimétré là. Je sais pas si je peux la placer comme ça. Placer la sortie des passes. Ah ouais, mais là, ça a tellement été bien fait que je sais même pas si je vais pouvoir placer mon entrée en fait. Il va falloir couper la file en fait au milieu. Comment je peux faire ça? Je sais même pas si je vais pouvoir faire ça. Je crois qu'on va annuler la sortie des passes. Ah, je vais perdre tous mes sous. J'aurais jamais dû faire ça. Ok, j'abandonne. J'abandonne. Mayday, mayday, on abandonne les gens. On abandonne. Les gens, revenez. Revenez faire la queue. Partez pas tous. Je suis en train de faire des bêtises. Non. Ah non, alors si on ferme cette attraction là, c'est sûr, on a plus de sous. Regardez, on est déjà à moins de 1000. Oh, ça c'était bêtise. C'était la bêtise à pas faire. Revenez, revenez. C'est bon, il y a des gens qui reviennent. Revenez faire la queue. Surtout, on va oublier les passes, hein. Revenez tous, revenez tous. On a eu un petit souci, purée, moins de 1000. Alors là, c'est là où tu sens la bêtise quand même. Il y a tous ces gens-là qui n'ont pas payé et du coup, j'ai perdu énormément d'argent. Parce que j'ai voulu mettre un pass prioritaire là où j'aurais pas dû remettre. Alors ça, c'est vraiment bêtise ça. Oh, la file d'attente à Insanity était pleine, la file d'attente. Il est temps de rentrer. Non, ces tris sont dégoûtants. Bon bah oui, bah désolé. C'est vrai qu'au niveau des gens... Oh purée. C'est bon, les gens recommencent à faire la queue, on est sauvés. Vous en allez pas tous! Vous en allez pas tous! Vous allez dans les, voilà, dans les attractions là qui sont disponibles. Ah ouais, du coup, si c'est plein aussi. Oh purée, les moins 2000, ça fait mal. Hein. Boutique et service, moins 7$, attraction et ticket. Je pense qu'il y a des boutiques qu'il faut qu'on les ferme parce qu'elles marchent pas. Genre par exemple, ces boutiques là, elles ne servent à rien. Donc je pense qu'on va pas les laisser. Genre celle-là, elle est à moins 400, moins 400, donc on va les vendre. Oh là là, je suis dégoûtée parce que tout marchait super bien et là d'un coup. Allez, on ferme les boutiques. Hop, c'est bien. C'est bien, fermez tout ça. Celle-là, elle marche encore ou pas? Ça a l'air. Tout ce qui marche pas, on va fermer. Hein. Un vol a été détecté. Hop, 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 on s'en occupe. Ici, est-ce que ça marche la boutique?
Ça a l'air de marcher vite fait. Hein. Ici, ça marche bien par contre. Allez, on est en train de récupérer de l'argent, ça. Ça y est, les gens recommencent à venir à l'attraction. On arrête les bêtises, faites la queue, il faut que ça se remplisse ici. Parce que là, il est pas rempli du tout, là. 1%, je n'ai pas assez d'argent pour faire un tour. Oh, si c'est 1%, ça passe. 4%. Il a l'air trop calme pour moi. Ok, donc on va le faire bouger un peu plus. Alors, on va le mettre à 3 sur 4 capacité max. Allez, on le met à sa capacité max. Et on va augmenter un peu le... Voilà, le tarif, on le laisse, mais on le met à sa capacité max. À mon avis, il va y avoir plus de gens. Regardez, là, déjà, on sent que les gens ont l'air d'arriver. Donc ça va peut-être nous sauver, là. Parce que là, on était à moins 800 de bénéfices, donc ça va pas du tout. Ici, on est encore au bénéfice, donc c'est bon. Ici, on avait fermé. Oh, je suis en train de fermer la moitié de mon parc, là. C'est horrible. 1009. Tant que c'est positif et qu'on est bon. Ici, j'avais fermé. Là, c'est des toilettes. Ok. De nombreux visiteurs ont soif. Ok, bah on va rajouter des distributeurs ou de l'eau. Mais on peut pas, on n'a pas de sous. Ils sont mignons, eux. Moi, je veux bien vous mettre de l'eau, mais on n'a pas de sous. Ou alors, il faut que je déplace ça. Ça, c'est quoi? Ça, ça sert à manger, je crois. On va la déplacer. On va la rapprocher de là où il y a du monde. On va faire un parc qui va être moins joli, mais où voilà, où les gens au moins vont s'en servir. Ah, je peux même pas la déplacer. J'ai même pas la capacité de déplacer mon bâtiment, quoi. Tellement que j'ai pas de sous. La tristesse. Je veux juste le déménager, s'il vous plaît. Le fond insuffisant, quoi. Oh, la tristesse. On est vraiment pas bien, là. Bon, bah on va le fermer, celui-là, en attendant. Je pense que ça sert à rien de le laisser ouvert. À moins que ce soit... Non, c'était pas des toilettes, hein. Là, c'était de la boisson, ça. Ça, c'est pareil, il faudrait pouvoir le déplacer. Fond insuffisant. Purée, moins 300. Je vous jure, on n'est pas bien, là. Hein. Le parc... on l'a pas encore fermé, le parc, mais... Ça va pas tarder, hein. Je sais plus comment économiser de l'argent, là. Bon, ici, ça va. On commence à récupérer doucement des gens. On va peut-être le modifier. On va le mettre à sa capacité un peu plus. On va demander une inspection. Capacité. On va l'augmenter, sa capacité. 3/4 sa capacité. Donc, on va... Ça va bouger un peu plus et ça va peut-être attirer des gens. Retard de 1 minute, ok. Ok. Et on a augmenté le prix du billet. Et là, il y a du monde qui vient, là. Ok, on va être... Wouh, je croise les doigts, mais on devrait être mieux. Pourtant, il était mignon, mon parc. Hein. Je trouvais que je m'en sortais bien, mais... Ça sert pas à grand-chose qu'il soit mignon. Voilà, ça y est, on est repassé dans le positif. Bénéfice, on est à... Ah non, ça y est, on repasse dans le négatif. Purée, on a été à 20 € de bénéfice et on repart dans le négatif. C'est insupportable. Bon, gestionnaire du parc, qu'est-ce qui va pas encore? J'en ai fermé pas mal quand même là. Hein. J'ai fermé 4 attractions. Hein. Toutes celles qui étaient dans le rouge, je les ai fermées. Les visiteurs. Boutique de souvenirs. Alors ça, il faut faire une recherche, je crois. Un emprunt. Ah, on peut peut-être faire un emprunt. On fait un emprunt. J'ai fait un emprunt, les gens. J'ai fait un emprunt histoire de pas être dans le rouge. Histoire de pouvoir faire une ou deux petites modifs. Parce que comme ça, je vais peut-être pouvoir mettre les billets et avec un peu de chance, on va gagner dans les boutiques et services. Tout ça pour acheter ça, là. J'espère que ça va marcher. Hein. Faut qu'on le mette à un endroit bien stratégique. Allez. Allez, vendre des billets. On va mettre ça là, en plein milieu. Voilà. On a fait un emprunt pour ça et j'espère que ça va nous rapporter de l'argent. On va déplacer les arbres. Voilà. Allez, s'il vous plaît, allez acheter des billets, là. Acheter un billet souvenir. On a besoin d'un billet souvenir. Parce que les gens demandent des choses souvenirs, là. Allez, on y croit. 125 par mois à rembourser. Lancer du marketing. Alors lancer, pourquoi pas. Oh, ça coûte cher de lancer du marketing. Ah, campagne en ligne, bannière publicitaire, c'est 1000 $. On n'a pas les revenus suffisants. Alors ici les gens sont quand même satisfaits à 94%, donc ça c'est bien. Il y a juste des petits problèmes de détritus. Il y en a qui doivent rentrer. La boutique est pleine, c'est bon, ils sont contents. Je m'étonne de ne pas trouver de boutique de souvenirs. Bon ça. Ah, ils sont pas contents, ils savent pas ce qu'ils veulent, hein. Bon, niveau employé, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Il faudrait rajouter peut-être un ou deux petits employés, là. Je pense qu'il faut rajouter un flic ou deux. Purée, il n'y a personne, là. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà la notification. Alors, distributeur. Ah, il n'est pas accessible. Mince! Oh non! Flûte! On va mettre une allée. Oh non, il n'est pas accessible. Non! Purée, c'est ça qui est censé me rapporter de l'argent. Il n'est pas accessible, quoi. Reviens ici, toi. Voilà. Et là, il faut un terrain derrière. Alors, ok, on va déplacer tout ça. Et là, il faut qu'on puisse passer. Alors ça, c'est... Comment je vais pouvoir revenir, là? Comment je fais un passage, moi? Faut que j'arrive à faire un terrain qui passe par là. Oh, la galère! Comme si on avait besoin, maintenant, de dépenser de l'argent pour faire un terrain, quoi. C'est juste pas le moment, quoi. Ok. On va le déplacer. Et toi, là? Viens ici. T'es pas au bon endroit. On va te mettre à un endroit où il y a quand même du monde. On va te mettre là. Ici, on n'a rien. Ça devrait le faire. Voilà.
On te met ici, on te met une petite allée pour rentrer. Voilà. Ok, c'est bon les gens. Allez-y, allez acheter des billets. Achetez des billets. On a besoin d'argent. On est à 2000 là, hein. On est remonté un peu, j'espère que ça a aidé quoi. Maintenant ils ont faim les gens. Où est passé l'argent? Quelqu'un a dû me voler, ils ont faim. Bah mais il faut aller aux boutiques aussi hein. Dites pas qu'il n'y a pas de boutique, hein. Il y a des restos et tout. Franchement, de ce côté-là, vous êtes bien, quoi. Modifier le bâtiment, distributeur de billets. Bon, pour l'instant, personne n'a acheté de billets, mais ça va venir. J'ai foi en vous, les gars. Venez m'acheter des billets. On est à 2000, on est en train de sauver le parc, là. Comme quoi, ça a aidé. Alors, celui-là, on peut le mettre peut-être un peu mieux à ses capacités. Demander une rénovation. Ah, je suis pas prête pour la rénovation, encore. Je suis pas prête pour la rénovation, par contre... On pourra activer le pass prioritaire pour lui. Comment j'active un pass prioritaire ici? C'est quoi tous ces gens là? Doucement, doucement! La file d'attente. Je sais pas comment faire, hein. Je comprends pas trop leur truc là. Je sais pas où je dois aller là. Je sais pas à quoi ça sert ça. Obstruction. Ah, je dois aller où? Et bah voilà, j'ai encore fermé une attraction alors que. Voilà, j'ai encore fait des bêtises. Jamais faire de passe prioritaire, voilà. Allez, vite, retournez dedans, ramenez de l'argent. Je suis en train de faire des bêtises encore une fois. Je vais encore perdre de l'argent alors qu'on était à 2000, là. Bon. Déjà, nous sommes dans le vert. Je pense qu'on l'a à peu près sauvé. Mais voilà, j'ai vraiment une gestion toute pourrie puisque tout mon parc se passait bien et c'est à partir du moment, en fait, où j'ai voulu créer cette espèce d'énorme Steel Vengeance 4 que tout a commencé à partir en chachaminou, que j'ai commencé à plus gagner d'argent et que ça a été une horreur, quoi. Donc ce que je pense faire pour une prochaine fois, c'est tout simplement, bah, c'est triste, hein, mais de détruire ça pour pouvoir faire quelque chose qui existe déjà. Là, on n'a pas d'argent, donc je sais pas si ça vaut le coup. On va le détruire, déjà, voilà. C'est triste, mais je pense que c'était la meilleure chose à faire, lui dire adieu. Et ensuite, aller dans les montagnes russes qui sont déjà faites et créer quelque chose qui existe déjà, quoi. Par exemple, là, vous voyez le typhon qui existe. On a comme ça des structures qui sont déjà toutes faites, qui attendent juste d'être posées. Et je pense que au début, pour gagner de l'argent, le temps de comprendre comment ça marche, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, je pense que là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus cher que ce que j'avais. On est sur de l'obstruction aussi. Je sais pas comment le poser, le bébé, là, mais... Obstruction. Je sais pas où le poser. Ça a l'air d'être un peu... Ouais, ça a l'air d'être pas facile à poser, cette bête. Je sais pas par quoi on est gêné, si c'est par l'eau, si c'est par les décos. Je pense qu'il va falloir qu'on enlève, qu'on aplanisse tout ça et qu'on enlève. Alors, normalement, j'ai deux terrains. Ok, donc là ça va pas. Moi, ouais, c'est remettre bien que je veux. Mais ça coûte un peu des sous tout ça. De se remettre le terrain. Là, il y a des choses à vendre. Alors, bâtiment, allez, terrain. Titata, ces trucs-là, là. On va récupérer un peu d'argent dessus. Hop, les automates. Vous êtes en plein milieu, vous prenez de la place. Ça aussi, ça s'en va. Les arbres aussi. On n'a pas trop le choix, là. Je sais pas si je peux en sélectionner plusieurs, j'ai pas l'impression. Faut y aller au feeling. Voilà. Ok. Ça devrait moins obstruer là déjà. Donc, montagne russe, typhon. Vous voyez, là on est à 7000. Ça y est, je suis en train de revenir. Enfin! Récent, attraction, plan, attraction. Voilà, donc là c'est vraiment des attractions basiques. Et moi, ce qui nous manque vraiment, c'est montagne russe, quoi. Alors, tac, tac, tac. Tout à l'heure, je l'avais et là, je ne l'ai plus. J'ai totalement perdu mon attraction. Environnement, montagne russe, typhon. La boutique n'a toujours pas de vendeur. Ah. Quelle boutique? D'accord, cette boutique-là n'a pas de vendeur. Eh ben, on va lui en mettre, il n'y a pas de souci. Nous avons besoin de vendeurs. Merci. Voilà. N'est pas accessible depuis le parc. Ah, pourquoi ça s'est pas terminé l'allée? On sait pas. Voilà. Donc là, normalement, c'est accessible. Les WC ne sont pas accessibles. Ah. D'accord, donc là, on a des toilettes qui sont posées, mais personne ne peut aller faire pipi dedans. C'est embêtant. On a quand même des petits problèmes, là. Comment je pose mes toilettes? Alors. Si je pose mes toilettes comme ça,
Est-ce que je peux faire une petite sortie de toilette? J'ai pas l'impression, hein. Si, quand même. Vite fait dans le brouillard. Est-ce que je peux relier mes toilettes à la sortie? Ah. Et voilà, c'est bon, parfait. En tout cas, je suis contente d'avoir pu sauver mon parc. Comme vous pouvez le voir, on a enfin réussi à récupérer un peu d'argent. Donc des fois, l'astuce, on va dire, c'est qu'il faut pas trop se précipiter et pas trop acheter de manège. Vraiment y aller au fur et à mesure, et dès qu'il y a quelque chose qui cloche, le fermer, le modifier ou le supprimer. En tout cas, nous avons réussi notre objectif. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.